Et bien yo les gars, c'est Skyzor Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto YouTube, comment créer une bannière pour sa chaîne. Une bannière, c'est tout simplement quelque chose pour décorer l'accueil de sa chaîne, comme ceci. Et d'ailleurs sur votre bannière vous pouvez rajouter les réseaux sociaux, vos réseaux sociaux. Du coup le tuto sera comment faire une bannière et rajouter vos réseaux sociaux dessus. Déjà, la bannière on va la faire avec Canva, ici présent. Du coup, les liens dans la description de Canva. Du coup, les liens du site. Et sans plus attendre, vous allez dans Créer un design. Vous allez dans Illustration de chaîne YouTube. Hop, nous y sommes. Et personnel, vous avez plein d'illustrations de bannières. Vous en avez pour jeux vidéo, pour beauté, pour musique, pour voyage, des trucs comme ça. Pour la musique, pour tout ça. Personnellement, moi, j'ai choisi ça. Voilà. Bon, j'ai enlevé le petit truc ici, parce que c'était pas très cool. J'ai pas très aimé, trop aimé. Par exemple, disons que votre pseudo, c'est Baptiste le BG du 78. Vous pouvez faire ça. En dessous, vous pouvez écrire tout ce que vous trouvez, tout ce qu'on trouvera sur votre chaîne. Style gaming, réaction, vlog, lol, etc. Voilà. Du coup, vous pouvez agrandir les écritures. Hop. Une fois que c'est prêt, ne vous inquiétez pas, hein, ça va directement s'adapter. Alors, pour savoir, les dimensions sont 2560 × 1440 pixels. Du coup, ainsi, vous pouvez aussi créer votre propre bannière. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, mais par exemple, avec une tête incrustée, des trucs comme ça. Bref, d'ailleurs, je crois que je vais faire ça. Mettre ma tête comme ça et des trucs comme ça. Bref. Oui, du coup, prochainement, la bannière sera ma tête avec des trucs comme ça. Baptiste BG du 78. Vous appuyez sur télécharger, ici présent. Bon, je ne vais pas le faire parce que c'est pas ma bannière. Ensuite, vous allez sur l'accueil de votre chaîne. Et normalement, je dis bien normalement, vous avez personnalisé la chaîne. Cliquez dessus. Bon, moi je suis sur Mac, hein, mais sur les Windows, c'est peut-être différent. Voilà. Ensuite, quand vous avez ça, vous allez cliquer sur les petits stylos. Et vous allez faire. Bon, là il y a marqué modifier, mais normalement, je crois que c'est ajouter. Illustration. Attendons. Bref, vous sélectionnez des photos depuis votre ordinateur. Hein, quelque chose qui soit adapté, tout simplement. Et ensuite, il vous demandera de modifier si ça vous va, si ça vous va pas. Bref. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Et techniquement, vous aurez ça. Pardon. C'était très rapide. Maintenant, pour ajouter les réseaux, c'est encore plus simple. Non, vous allez recliquer sur le stylo. Bon, normalement, il y a marqué « Ajouter les liens », mais là, je vais aller sur « Modifier les liens ». Et du coup, là, ça, c'est ma description. Les informations, bref, tout ça, tout ça. Du coup, là, vous avez mon TikTok, là, l'adresse, ma chaîne secondaire, l'adresse. Voilà, du coup, c'était un petit tuto rapide. Hein. Du coup, je tourne cette vidéo même 27 minutes après la dernière vidéo. Voilà, du coup, je m'en prends à l'avance. Du coup, voilà, c'était un petit tuto comment faire une bannière et rajouter les petits réseaux. À la preuve, hein, je peux cliquer sur TikTok. Mon TikTok à moi. Hop là, vous avez mon TikTok. Juste là. Hein, quelques extraits, patati patata. Du coup, si vous voulez aller sur mon TikTok, hein, les liens dans la description. Et il y a ma chaîne secondaire, juste ici, Skyzor Music. Ici, du coup, j'upload des musiques. Du coup, aussi, si vous voulez, abonnez-vous à cette chaîne aussi. J'upload des musiques, il n'y a que 2 abonnés. Bon, c'est moi-même et un ami. Du coup, voilà, il y a des musiques. Même une musique de Farod, From the Durst, des trucs. J'ai même créé une musique ici, si vous voulez voir. Les liens dans la description. En tout cas, moi j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis tchou.